Et tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo déballage donc de la micro caméra que j'ai commandée sur Wish. Donc on va faire vite fait le tour du packaging. On voit la caméra dessinée à l'avant, X3 mini DV. Ici vous avez l'écriture donc HD, USB, micro SD. Donc je vous le dis direct, la micro SD elle n'est pas fournie à l'intérieur. Uniquement donc la caméra et le câble USB, le câble data. Pour la micro SD, il vous faudra en acquérir une. Donc bien sûr, je l'ai déjà déballé parce que j'ai testé le produit avant de faire la vidéo. Voici comment la caméra donc se présente. Donc vous voyez, c'est une micro caméra toute petite hein, qui tient dans la main avec donc un porte-clés. Donc on va faire vite fait le tour de la caméra. Ici, vous avez l'autocollant avec marqué USB HD. Ici, vous avez l'objectif. Là, la petite LED qui clignote, donc pour vous dire si ça prend des photos ou des vidéos, ou si vous l'avez allumé. Ici, vous avez l'emplacement micro SD. Ici, l'emplacement pour brancher le câble micro USB data pour pouvoir transférer vos fichiers sur l'ordinateur et les regarder, ou bien recharger la caméra parce qu'il y a la batterie. Et bien sûr intégré. Voilà, ici vous avez le bouton power. Donc le bouton power il sert à trois trucs, donc de base de l'allumer hein, ce qui est logique. Alors pour prendre des photos il faut appuyer une fois et le témoin va s'allumer en rouge pour vous dire qui l'a pris la photo. Pour filmer vous restez appuyé 2 secondes, ensuite à nouveau le témoin va se mettre à clignoter tous les 2 secondes, et quand il clignote tous les 2 secondes ça veut dire que ça filme. Donc voilà, je l'ai acheté 11 balles sur Wish. Je trouve que c'est un petit peu cher par rapport à ce que c'est, hein, par rapport à l'image qu'on voit avant la commande et quand on reçoit le produit. Comme je vous l'ai dit, la carte micro SD n'est pas fournie avec. Il faudra vous en acquérir une pour pouvoir utiliser la micro caméra. Donc j'ai testé le HD. Faut pas vous attendre à du HD. Franchement, c'est la HD chinoise. Hein, la qualité d'image est correcte, elle est belle, mais c'est pas réellement du HD. C'est de la HD chinoise. Donc j'ai testé le produit. Dommage que je ne peux pas vous faire montrer la qualité d'image. Mais bon, je vous fais un petit résumé de la micro caméra que j'ai acheté sur Wish. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo déballage ou produit high-tech. Donc voilà. Je trouve ça sympa. Elle est belle. Elle fonctionne bien pour l'instant. On verra bien. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt.